Claude, numéro 6. C'est justement Alexandre Buisson qui est bien parti avec Kyria Gio, hein, cette fille de Faïssa Bonbon dont on parlait, mais qui fait la faute après 200 mètres de course. Et qui se retire. Elle est bien parti en dehors avec Gaëtan Ligeron et Kezo de Bellicou, un Kezo Manchego et Violette de Folio. Gaëtan Ligeron qui s'était montré déjà très entreprenant lors de la première séance de qualif ici à Caen. Qui était d'ailleurs venu à notre micro nous parler un petit peu de ses espoirs et qu'on voit ici tête et corde rouler à un rythme régulier mais pas démentiel puisqu'on est sur le pied de 20 au chrono de Marc Hentel qu'on salue et qui prépare ses étoiles pour l'hebdo Province Course. D'abord la ligne d'en face. Globalement sur le même tempo pour Gaëtan Ligeron qui a l'avantage. Dans son dos, c'est Eddy Lebec avec Kenza Suprême. Gaëtan Ligeron, je vous rappelle, est au sulky de Kezo du Bellicou. Mickaël Lemercier se rapproche en dehors avec Coco Belpeji. Et on doit avoir en dehors une représentante ou un représentant de l'écurie Hunter Valley dont on va s'assurer l'identité dans quelques instants. Ils abordent le dernier virage. Les 600 derniers mètres. Le tempo est régulier. Ça va passer pour, quoi qu'il arrive, les 4 premiers, peut-être les 5 premiers, sauf défaillance, faute, eh bien voilà, de... Mickaël Lemercier avec Coco Belpeji, plutôt faute de Coco Belpeji qui se retire. Ça devrait passer pour les 5 autres. Et on va regarder cette ligne droite avec la Kazakh Hunter Valley. Qui, comme le souhaite Thomas McVist, c'est Victor Langlais qui nous précisait ça lors de notre dernier live. Aime voir les poulains faire surtout les 1000 derniers mètres. La plaque 11 qui faisait pas partie de... la plaque 13, pardon, qui était à son deuxième essai, c'est Crossfingers. Crossfingers par Express Jet et Diane Dunoyer qui remporte ce lot. On va écouter dans quelques instants dans quelles conditions. L'élevage de Tiffaine Thébault, la propriété de l'écurie Hunter Valley, l'entraînement de Franck Bougon. Les 5 premiers sont retenus dans ce 6e lot. Le numéro 13 passe en 18-3. Le 26 en 19-3. Le 61 en 19-5. Le 60 en 19-7. 63 en 19-8. Et pour information, 65 est refusé en 22-8. Les 5 premiers sont retenus. 7e lot en piste, 7e. Un dernier kilomètre qui a été fait sur le bon pied. Hein, qu'à Crossfinger se passe en 18-3. Pour Cracotte du jour, c'est 19-3. Donc le deuxième essai pour ces deux-là a été le bon et a été profitable. Diane Dunoyer, la mère de ce Crossfingers. On en parlait tout à l'heure, il faut parfois un petit peu croiser les doigts, même